loin. C'est, elle savait pas parce que tu parles pas, c'est toi. T'as une question? Ouais, c'est qu'elle a été courante. Oh, mais il est chiant. Léa, est-ce que tu maîtrises Samuel ou c'est lui qui te maîtrise? Elle a dit quoi? Mais c'est à nous, Léa! Mais t'as entendu ce qu'il a dit? Enfin, est-ce que c'est toi ou c'est lui qui est soumis? Qui est soumis en fait? C'est quoi ces questions? Parce que là, je lui laisse croire, parce qu'on est en public avec vous et tout. Ouais. C'est important qu'elle ait une image, voilà. Non, notre relation est complémentaire. Ouais, voilà. Ça, c'est fait. Non, mais ouais. J'ai mes livres là maintenant. Ouais, non. Ah, grande question. Bah en fait, je sais pas parce qu'on a déjà fait deux tags boyfriend et je saurais pas trop dans quelle vidéo. Ouais, j'avais dit que j'allais le maquiller et ce qui se passe c'est que on avait filmé la vidéo il y a genre 3 mois. Fabien, je l'avais monté devant lui et il avait absolument pas assumé le fait de se remercier et tout. Donc du coup, il m'avait demandé de pas la poster. Donc voilà, je l'ai pas postée. Mais moi, jamais je fais ça. Moi, j'ai déjà fait. C'est-à-dire à la bague. Tu sais, Fabien, il a fait sans se bander les yeux, c'est comme si c'était bandé les yeux, tu vois. Ouais, je m'étonne. Mais non, elle l'a déjà fait. Marie, tu peux nous chanter une petite chanson? Non, j'en ai pas là. Non. Mais de toute façon, comme je vais refaire des vidéos de ça sur ma chaîne de chansons, enfin, il y en aura, quoi qu'il en soit. Parce que là, vous verrez en live devant un micro avec des guitaristes derrière. Ah, mais elle était sur la chaîne de 5 minutes. Avec Fabien? Bah, parce que Amélie, elle est pas là, mais en fait, ce soir, je dors chez Amélie. Et il n'y avait pas de place pour Fabien, donc voilà. Ah, il oh. Samuel! Oh. Voilà. Ouais. J'ai une question pour Marie encore. Oui. En fait, est-ce que tu vas réagir par rapport au gars qui te... Non. Il y a un mec sur YouTube qui a fait 3 vidéos pour m'insulter et me traiter de salope et de tous les noms. Oh, je crois qu'il est à Marseille. Oh merde, alors moi je vais pas là-bas. Non, je vais pas réagir parce que ça serait rentré dans son jeu et puis ça sert à rien. Voilà. J'ai un petit peu honte des anciennes vidéos, donc peut-être que j'en mettrai quelques-unes que je trouve pas trop mal et je mettrai en nous répertorié et je vous donnerai les liens sur ma page Facebook en fait. 4 heures de plus, il est là-bas. Il est bientôt l'heure de manger en Inde. Ouais, de toute façon, je pense que ça va être un peu tout pour l'heure de manger. Non, non mais moi, c'est 1-3-4 ouais. L'heure de manger. C'est encore un là. Mais ton beau sourire. Hein, ça passe, ça passe. Merci. Non. Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Oui, Émilie. Émilie Maquille. C'était une des premières habitudes, mais vraiment quand je vous dis, mais genre, j'ai commencé en janvier 2011, on va dire, j'ai des vidéos où genre Émilie qui a commenté le 26 janvier 2011, un truc comme ça, c'est vraiment une des filles qui me suit depuis hyper longtemps, c'est pour ça que je l'adore, voilà. Et sinon, mes premiers abonnés, bah ma soeur, ma mère. Mais c'est trop cool, franchement, quand tu commences et que t'as. Je sais pas vous, mais franchement, quand je commençais, j'avais peut-être 800 vues et tout, j'étais trop contente. J'étais genre. Oh mon dieu, c'est du malade. Vas-y, moi, malade. Un truc de malade d'abonnés, t'as 10 personnes qui commentent, tu t'en remets pas. Tu relis les commentaires, tu les fais remonter, tu leur réponds un par un. Mais l'époque que tu répondais à tous les commentaires. Même quand tu disais, oh, t'es trop jolie ou oh, merci pour le truc. De rien. C'est pas que quand t'as 800, c'est quand même. Non mais Amélie ça, moi je me vexe, j'y prête même plus attention parce que je vais juste répondre à une question, je sais pas si vous la posez, mais moi tout le monde me la pose, c'est ouais c'est dégueulasse, tu réponds pas aux messages sur YouTube, tu réponds pas aux messages sur les emails, sachez que sur les messages YouTube, j'y réponds à tous. Les messages sur YouTube, j'y réponds à tous. Les messages sur Facebook, je peux pas parce que ça marche pas. Et les mails, j'en reçois 400 par jour. Ah, il m'en reste. Donc, en gros, comme je reçois 400 mails par jour, je réponds à
50 mails par jour quand je peux. Donc c'est clair qu'il y en a, ils sont encore du mois de septembre et j'ai pas pu répondre, mais comme vous le savez, on a une vie à côté malheureusement et... heureusement plutôt, pas malheureusement. Oui, mais malheureusement pour vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut, c'est difficile d'allier les cours, les vidéos, la vie personnelle et si en plus, parce que mis à part le fait de filmer la vidéo qui prend du temps, de la poster qui prend du temps aussi, derrière il y a toute la gestion de ce qu'on va mettre dans la barre d'infos, vérifier qu'on a bien tout mis, ce qu'on va faire comme titre, est-ce qu'il faut rajouter des annotations, est-ce qu'on va répondre aux commentaires, regarder les commentaires. Ouais, mais toi t'es jamais d'accord avec rien. Moi, je pense que ça on n'a pas à leur reprocher. Ah mais non, mais moi je reproche pas, c'est pas un reproche, c'est juste que c'est une constatation. C'est, ouais, mais c'est super vexant. Ton contrôle le dimanche soir et mettre ta vidéo en ligne, tu vas pas... Bien sûr, mais ça dans ce cas-là, tu me révises et tu me mets pas ta vidéo, mais pour les messages et tout, je suis d'accord. Je veux dire, prendre du temps pour faire une bonne vidéo et mettre des vidéos, c'est tout, je pense. Peut-être que les endroits, les filles, les gars, elles peuvent avoir une bonne vidéo avec tout qui est complet, d'accord. Ouais, qu'on n'a pas le temps. Alors moi, il y a un truc qui m'énerve, en tant qu'abonné comme en tant que youtubeuse, c'est les gens qui sont là genre « Oh mon dieu, t'as pas fait de vidéo depuis 3 jours, il se passe quoi ?» Non, par exemple, tout à l'heure, on en parlait avec Juliette, genre « Oh mon dieu, t'es morte, oh, t'as fait une vidéo avant-hier, il se passe quoi ?» Vous avez envie d'arrêter YouTube ? Plein de fois. Ouais. Plein de fois. Quand t'as les gens... mais des fois, t'as la flemme. Je pense que celle qui peut en parler mieux, c'est Zoé. Je sais pas si elle est là, mais je pense qu'il y a personne qui peut en parler mieux que Zoé. Si, Zoé. Quand t'as tout le monde qui tombe dessus, quand tu passes 10 000 ans à faire une vidéo et que t'as tout le monde qui commence à te casser en mode « Arrête de te la péter dans la vidéo, machin. » Zoé, est-ce que t'as déjà eu envie d'arrêter YouTube ? Ouais, parce que il y avait trop de commentaires méchants et blessants, etc. C'était même pas constructif et tout. Des trucs que tu connais même pas, genre, encore quand tu fais un lookbook, on dit j'aime pas le pantalon, mais quand tu fais un lookbook et qu'on dit j'aime pas ta maison, ou t'es moche. Non, mais il y a des gens qui vont chercher des trucs qui ont aucun rapport avec la vidéo, tu vois. Les gens ils le diront jamais en face après, donc. J'ai des origines espagnoles du côté de mon père, il est né à Madrid et donc je suis plutôt espagnole. Sauf que quand je suis allée dans mon lycée, enfin, dans mon collège en 6ème, on m'a regardé mon dossier et on m'a dit bah, écoutez mademoiselle, vous avez un plutôt bon niveau, on vous propose la classe 6ème bilingue. Sachant qu'à l'époque, ça fait un moment maintenant, ils avaient que la 6ème bilingue anglais-allemand. Et c'est comme maintenant. Maintenant c'est espagnol, ma soeur elle a fait bilingue espagnole. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, comme c'est ma mère qui a fait les inscriptions, et que ma mère est suisse, et bah elle a dit non, bah, suisse allemand, bon ok, allemand. Voilà, donc je fais allemand. Mais tu regrettes pas la... Si, j'aurais préféré faire espagnol. Espagnol, est-ce oui, interessante. Yeah. Oui. Si. C'est tout. Marie, t'as déjà pensé à supprimer ta première vidéo ? Jamais. Je la supprimerai jamais ma première vidéo. Parce que je veux vraiment me souvenir du jour où j'arriverai. Là, je suis bientôt à 100 vidéos. J'ai trop envie le jour où je passerai ma sortie vidéo d'aller voir ma première vidéo en me disant putain, hey, t'as commencé en te coiffant et en coupant 40 000 fois parce que t'étais trop timide pour parler dans ta caméra. Hey, mais je m'en souviens, tu m'avais envoyé un message aussi. Tu te rappelles parce que tu devais avoir 40 abonnés. Camille, c'est la première personne à qui j'ai parlé en disant Camille, c'est toi qui m'as envoyé un message, tu m'as dit j'aime bien ta vidéo. Je t'ai pendu un pavé parce que j'étais trop contente que quelqu'un m'envoie un message. Mais j'adorais trop, mais dès ta première vidéo, tu parlais de super non, bien. Et j'avais trop peur en fait, et toi tu m'as trop rassurée avec Anna et tout. Et Non, mais ça se voyait pas que c'était la première vidéo à part la qualité. Mais oui, franchement, mais t'avais de la chance. Mais moi, ma première vidéo, voilà. Une million de fois parce que je m'assumais pas et tout. Ça se voyait que t'étais un peu plus jeune avec tes lettres. Ouais, mais j'étais jeune, tu venais d'avoir 16 ans. Pourquoi là t'es vieille? Non, bientôt j'ai 18 quoi. Bah c'est la même. Non, pas vraiment. Mais non, je pense pas que je la supprimerai plus. J'aime bien. Enfin, je l'aime bien. C'est juste pour une valeur sentimentale, je trouve ça. Je trouve ça bête de supprimer sa première vidéo. Bah c'est là où on a commencé. Ouais, c'est ça. C'est toujours super... C'est marrant en fait de se voir 2 ans en arrière et tout. Il y a pas beaucoup de gens qui ont l'occasion de se voir il y a 2 ans, mis à part en photo, quoi. En vidéo, c'est pas pareil. Tu en parler. Ouais, tu t'entends parler. Tu sais que j'avais la voix tellement plus aiguë. Comme ça. Non mais moi je n'arrivais même pas à parler. On aurait dit te mais moi.
Parce que c'est pas chiant. Enfin, elles ont toutes 16, 17, 18 ans. Moi, j'ai 14 ans. Donc, bah, moi aussi, hein. C'est pas. Bah, moi, j'ai 15 ans. Voilà. Mais Zoé, t'as combien d'abonnés en fait? Et Marie? Marie, 80 000. Plus 80 000. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Enfin, Moi je non, mais même pas. Moi je suis regardée d'abonnés. Enfin, je suis gagnée. J'ai passé la barre des 80 000 abonnés dans la journée. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que les gens, dès qu'ils voient que t'as beaucoup d'abonnés, après, ils s'abonnent sans. Non, moi je sais pourquoi. Ça m'énerve, tu vois. Attention, ça m'énerve pas pour les. Ça m'énerve juste parce que, bah voilà. Pourquoi tu veux parler à la caméra? Pour faire une dédicace. Anne Nolwenn, donc le bazar de nous, enfin de nos, enfin je sais pas. Mais en tout cas, elle va se reconnaître parce qu'en fait, bah, en fait, on devait se rejoindre tous les deux. Et en fait. Et elle l'a lâché comme ça. Ouais, elle m'a lâché comme une grosse merde au dernier moment parce qu'elle devait aller voir un musée avec ses parents à Paris. arrête, au moins elle est sérieuse dans sa vie. Bah oui, au moins elle s'inscrit là, comme Mathilde. Moi je n'ai jamais lu de livre. J'adore les Pringles d'ailleurs. Ouais. Okay, bon, bref, et donc, je voulais lui faire un bisou parce que genre elle est pas là et elle me manque, même si j'ai jamais vu ma vie, mais voilà. Ok. Bon, bah, voilà, je suis rentrée du meet-up, c'était super bien. Je vous ai mis toutes les vidéos avant, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça fait super plaisir de voir toutes les filles qu'on voit derrière la caméra, ça fait super bizarre. Et je m'attendais pas à autant de monde, il y avait 110 personnes. Et en plus de ça, il y avait plein de youtubeuses. Je vous mettrai tous les noms des youtubeuses qu'il y avait en barre d'infos parce que j'en oubliais sinon. J'ai discuté avec à peu près tout le monde. C'était grave cool. Pour celles qui disent que je ressemble beaucoup à Je ne suis pas jolie, donc Léa et Reva Chanel, donc Reva, bah j'ai pris une photo avec elles deux. Je vous la mets. Enfin, je sais pas, elles sont juste trop belles par rapport à moi. C'est... Si vous voulez d'autres informations, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas en commentaire. Puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'étais super contente d'aller au meet-up et je pense que vous pouvez le remarquer. J'ai pas mal filmé, j'ai filmé 2 heures quand même, donc bisous.